Bonjour à tous, bienvenue à la première édition du Village des recruteurs à Toulouse, ici au Stadium, lieu emblématique de la Ville Rose. 1500 offres d'emploi à pourvoir, 500 offres de formation. Et parmi ces secteurs qui recrutent, le déstockage, on reçoit Gaël Gillet, co-gérant en charge de recrutement d'Univernose. On parle de déstockage, mais qu'est-ce que c'est que le déstockage finalement? Alors le déstockage, effectivement, c'est un terme assez large, mais qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. C'est d'aller récupérer auprès de nos fournisseurs, donc que ce soit des industriels, des fabricants ou d'autres chaînes de distribution, leurs invendus, leurs surstocks, les produits qui au final rencontrent une petite problématique. Et nous, on va pouvoir justement revaloriser ces produits en les récupérant et en les revendant dans notre réseau de plus de 300 magasins en France. Alors Univernose, c'est une entreprise made in France. Oui. 300 magasins aujourd'hui, 20 ouvertures par an. C'est ça. Grosse ambition de développement et donc exactement. De recrutement. Tout à fait. Nous sommes le leader européen du déstockage en termes d'achat. On a effectivement plus de 300 magasins en France et on souhaite aller sur la step supérieure, c'est-à-dire demain devenir le leader mondial. Et pour ça, effectivement, on renforce nos effectifs, que ce soit dans les magasins, mais également après sur des fonctions d'achat, de marketing, etc., qui ne sont pas forcément basées sur Toulouse. Mais au niveau national, bien sûr, on cherche des partenaires pour le développement de nos magasins. Alors, des talents et des partenaires, c'est important ce que vous dites. Quel est le profil, donc, effectivement, de ces talents que vous recherchez pour vous accompagner? Donc, aujourd'hui, l'Univernose est ouvert au mandat de gestion. C'est-à-dire que nous ouvrons l'intégralité de nos magasins partout en France à des investisseurs, donc des personnes qui seraient prêtes à venir, justement, nous rejoindre dans cette belle aventure via, en effet, l'investissement d'un capital, mais pour ensuite devenir gérant mandataire de nos magasins, avec, donc, davantage d'autonomie, de responsabilité et, j'ai envie de dire, d'être porteur du projet pour faire performer notre modèle commercial. Alors, on connaît beaucoup le terme de franchise. Quelle est la nuance entre la franchise et le mandataire de gestion? Alors, sans rentrer dans les détails vraiment purement juridiques et structurels, mais le mandat de gestion, en fait, la différence, c'est qu'on va demander un apport financier bien moindre qu'une franchise totale. Et en fait, on est sur un montage un peu différent, puisqu'un gérant mandataire va devoir créer sa propre société individuelle, une SARL très souvent, et il va pouvoir exploiter la société du magasin, pour faire simple. Alors si vous êtes challenger dans l'âme, venez ici à Toulouse pour la première édition du Village des recruteurs, rencontrer Gaël Gillet et ses équipes d'Univernose. Vous serez peut-être leur prochain investisseur et collaborateur.